Bienvenue Place Vendôme à Paris, considérée comme l'une des plus belles places au monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir de véritables trésors au sens propre du terme, ceux de la haute joaillerie française, un artisanat d'art que le monde entier nous envie. À la fin du 19e siècle, les plus grandes maisons de haute joaillerie se sont installées ici. Elles nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes, nous permettant ainsi de découvrir leur histoire, leur savoir-faire et leurs joyaux historiques. Ils ont appartenu aux plus grands, aux rois, aux reines, aux maharajas, aux artistes, aux stars d'Hollywood, entre autres. Pour les filmer, nous sommes allés aux quatre coins du monde pour vous raconter une histoire de France hors des sentiers battus. Chaque joyau a sa légende et avant tout, un destin fabuleux. La haute joaillerie est un artisanat d'art français que le monde entier nous envie. Des orfèvres du Moyen-Âge aux grandes maisons de la place Vendôme, la joaillerie française trouve ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, en parant les têtes couronnées de France et d'Europe des plus beaux joyaux. Déjà, les Égyptiens pensaient que les bijoux étaient la chair des dieux, et les Mayas comparaient l'éclat de l'or à la lumière de l'astre solaire. Attribut de pouvoir des puissants, les joyaux ont incarné au fil des siècles fortune, séduction, consécration, complot, corruption et ruine. Les plus grandes maisons de haute joaillerie, Mellerio di Meller, Chaumet, Boucheron, Cartier et Van Cleef & Arpels, nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Elles nous ont permis de découvrir leur collection privée qui rassemble les pièces historiques de leur patrimoine, mais aussi des joyaux contemporains qui n'attendent plus que d'être portés. De l'histoire de ces maisons aux mariages princiers les plus prometteurs du XXIe siècle, en passant par l'affaire du collier de la reine, les fastes de l'Empire et les drames de la Seconde Guerre mondiale, nous découvrirons au travers d'histoires rocambolesques comment les pierres précieuses ont joué un rôle politique majeur dans l'histoire de France. Avec les courtisanes de la belle époque et les riches héritières des années 30, l'excentricité des joyaux sera également à l'honneur. Enfin, des maharajas des années 20 aux actrices des années 50, nous découvrirons les commandes les plus spectaculaires qui font l'histoire de la joaillerie française, sans oublier les techniques des meilleurs artisans qui ont donné naissance aux œuvres les plus rares. La plus ancienne des maisons de haute joaillerie française est la maison Mellerio di Meller, née il y a 400 ans. Nous sommes un jour de 1780. Jean-Baptiste Mellerio, jeune colporteur, se presse aux portes du château de Versailles pour proposer de merveilleux bijoux aux riches courtisans de la cour de France. Il expose ses créations dans cette malle, qu'on appelle la marmotte. Au même moment, la reine Marie-Antoinette rentre d'une promenade. Elle a 25 ans, elle adore les bijoux et se laisse séduire par les créations de Mellerio. L'histoire de cette rencontre avec la reine Marie-Antoinette a donné naissance à une légende au sein de la famille Mellerio. Le jour où la reine a rencontré le jeune Jean-Baptiste, elle se serait offert ce bracelet camé. Il y a des éléments qui corroborent l'idée qu'il ait pu appartenir à Marie-Antoinette. Il y a des rubis qui étaient une des pierres favorites de Marie-Antoinette. Maintenant, c'est absolument impossible de prouver effectivement que ce bracelet ait bien appartenu à Marie-Antoinette. Et bien sûr, à l'époque, on ne poinçonnait pas, on ne gravait pas. Donc on n'a pas d'autres éléments de preuve que simplement cette tradition familiale. Quelle que soit son origine, la légende qui entoure ce bracelet symbolise les liens très forts qui unissent les Mellerio aux reines et impératrices de France. Aujourd'hui, pour fêter ses 400 ans, la maison Mellerio a réalisé une collection de bijoux exceptionnels qui leur rend hommage. Ce joyau
est tout particulièrement dédiée à la reine Marie de Médicis. Elle est en fait la première à leur avoir ouvert les portes de la cour. Nous avons créé une collerette qui rappelle un petit peu les grands cols des robes de Marie de Médicis. Des milliers d'heures de travail, une pièce merveilleuse, très légère, très souple. Donc on a une image de quelque chose qui est peut-être un peu rigide, et en fait pas du tout. Au porté, elle est complètement articulée, et donc elle est fabuleuse. Cette collerette d'une incroyable beauté est faite de 5085 diamants et de 15 rubis. La maison Mellerieux a mis plus de 30 ans pour collecter l'ensemble de ces rubis. C'est cette double caractéristique d'être à la fois un instrument de pouvoir et un instrument qui sert la beauté, qui fait un peu l'intérêt et l'attraction de ce métier tout à fait exceptionnel. Au fil des siècles, la maison Mellerieux s'est toujours tenue proche du pouvoir royal, mais aussi religieux. Tout cela a commencé en 1613, à Craveggia, en Italie. Cette vallée lombarde est alors un axe de passage hautement stratégique. La régente de France, Marie de Médicis, accorde alors aux commerçants de la région une exonération des taxes commerciales. En échange, elle obtient l'assurance qu'ils laisseront passer les troupes françaises. Grâce à ces privilèges qui vont leur ouvrir les portes de la cour, assez rapidement, ils vont monter en gamme, comme on dit aujourd'hui, et avoir une clientèle qui les accueille volontiers. D'ailleurs, de temps en temps, on écrit qu'ils sont les bienvenus à la cour. De cette relation privilégiée avec le pouvoir, les Mellerieux conservent un trésor composé, entre autres, d'orfèvrerie religieuse. Alors, ici, vous avez un ostensoir qui date de 1829. Il y en a trois exemplaires qui ont été faits par la famille. Un qui est aujourd'hui au Vatican, un autre qui est à Notre-Dame de Paris, et le troisième dans notre petit village de Craveggia. Mellerieux di Meller a été probablement, on dirait aujourd'hui, le leader mondial dans le domaine de l'orfèvrerie religieuse, avec énormément d'œuvres qui sont dans toutes les églises, au Mont-Saint-Michel, à Notre-Dame de Paris, mais aussi au Sacré-Cœur. C'est une tradition qui exprime, je dirais, le désir des hommes, je dirais, d'église ou de pouvoir, de montrer, je crois, une forme de foi. Ce n'est pas simplement une forme de magnificence, c'est aussi une forme de foi. Ce trésor familial légué à l'église est également composé d'une précieuse étoffe. Nous avons ici, en fait, les chasubles qui, en fait, sont le résultat d'un don de la famille de robes de Marie-Antoinette et qui sont brodées sur, je crois, ce qui était probablement la robe de mariée de Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette est connue pour aimer les bijoux. Son goût immodéré pour la joaillerie va la plonger dans un scandale sans précédent. C'est l'affaire dite du collier de la reine. Nous sommes à Versailles en 1772. Marie-Antoinette et le futur roi Louis XVI ne sont pas encore montés sur le trône. Le roi Louis XV, au crépuscule de son règne, est follement amoureux de sa maîtresse, Madame du Barry, et la couvre régulièrement de bijoux. Le joaillier parisien Baumer, qui fournit en ce temps la cour de France, va alors faire un pari osé. Fabriquer une pièce d'exception, un collier de diamants comme on n'en a encore jamais vu, d'une valeur de près d'1 million de livres. Mais 2 ans plus tard, le roi Louis XV meurt. À qui vendre désormais le collier? Quelque temps après, le joaillier se tourne vers Marie-Antoinette. Il n'y a qu'une reine pour porter un bijou d'une telle ampleur. Il s'agit en fait de 2 colliers, un tour de cou et un sautoir, sur lesquels sont montés plus de 500 diamants et perles d'une grande pureté. Marie-Antoinette aime beaucoup les bijoux, mais là on est au-delà du million.
Et à l'époque, c'était l'équivalent de 3 petits châteaux. Ça la fait reculer, elle y réfléchit à deux fois. Elle se dit que si elle accepte un présent de plus d'un million de livres, sa réputation en prendra un sérieux coup. La reine sait que le peuple français ne lui est pas favorable. Elle sait aussi que les comptes de la couronne sont devenus publics. Une dépense aussi faramineuse ne pourrait donc pas rester secrète. À partir de 1781, le ministre Necker institue une certaine transparence dans les finances de l'État. Il publie les comptes de la monarchie. Et donc, l'emploi des finances de l'État font l'objet de débats publics. Face à l'offre alléchante du joaillier Baumer, Marie-Antoinette refuse donc ce collier. Elle aurait eu ce mot historique, il vaut mieux acheter un navire de guerre qu'un bijou. Mais elle ignore que dans l'ombre, quelqu'un complote pour récupérer ce collier. Elle s'appelle Jeanne de la Motte Valois. Elle a fait croire aux joailliers Baumer et Bassange que la reine envisageait d'acheter le collier, mais incognito, dans la plus grande discrétion, vu le prix de l'objet. Pour servir d'intermédiaire, Jeanne de la Motte Valois choisit le cardinal de Rohan, qui était prêt à tout pour conquérir les faveurs de la reine. Jeanne de la Motte Valois lui fait croire qu'elle est une intime de Marie-Antoinette. Elle lui aurait demandé d'acheter le collier par le biais d'une personne de confiance comme lui. Flatté, le cardinal de Rohan accepte de se porter garant de cet achat secret auprès du joaillier. Et bien sûr, c'est Jeanne de la Motte Valois qui est chargée de réceptionner le collier pour la reine. Donc là, Jeanne de la Motte Valois s'empare du collier, évidemment ne le remet pas à la reine, le fait dépecer, toutes les pierres sont vendues séparément, et à partir de ce moment-là, le collier n'existe plus. Les diamants qui composaient le collier sont vendus en Angleterre par Jeanne de la Motte Valois et son amant. Le mois d'août 1785 arrive, les joailliers n'ont toujours pas reçu la première échéance du paiement et donc, tout naturellement, ils se tournent vers la reine pour savoir ce qui se passe. Marie-Antoinette tombe de haut, elle découvre qu'un collier a été acheté en son nom et à son insu. Tout de suite, elle pense que le grand coupable, c'est le cardinal de Rohan. Le 15 août 1785, sur ordre de Louis XVI, le cardinal est arrêté au vu et au su de toute la cour. L'affaire du collier se transforme en affaire d'État. On ne tarde pas à penser dans l'opinion que c'est un coup monté par la reine, en fait. Et donc cette affaire va se retourner assez rapidement contre Marie-Antoinette. Tout le monde connaît le mépris de Marie-Antoinette pour le cardinal de Rohan. Personne ne peut imaginer que la reine frivole et insouciante se soit privée de ce collier. L'opinion pense qu'elle a simplement voulu la tête de Rohan. C'est une affaire aux retombées dramatiques. Il y a eu plusieurs affaires d'État associées à des bijoux, mais celle du collier de la reine est une des plus importantes. Et elle intervient en 1785-86. On est à la veille de la Révolution française. Il est évident qu'elle a eu des conséquences, non pas sur le déclenchement de la Révolution, mais sur la virulence que le discours révolutionnaire a adopté contre la reine. Il ne reste de ce collier démonté en Angleterre en 1785 qu'un dessin. Et c'est grâce à lui que nous pouvons en admirer aujourd'hui une fidèle reproduction dans les appartements de Marie-Antoinette au château de Versailles. La reine n'est pas la seule à aimer se parer des plus beaux joyaux. À chaque sortie publique, le roi Louis XVI se doit de porter les plus belles pierres. Ce sont les joyaux de la couronne de France. Ainsi, le 5 mai 1789, alors qu'ils se rendent jusqu'à l'Assemblée des États généraux, Louis XVI et Marie-Antoinette portent les pièces les plus symboliques. La reine a épinglé le sancy dans sa chevelure. Le roi porte lui à sa poitrine l'insigne de la toison d'or. Ces trésors de la couronne de France sont aujourd'hui, pour certains, exposés au Louvre. C'est le roi François Ier qui décide de constituer le trésor des diamants de la couronne.
qui devient donc un trésor qui appartient à l'État, qui est inaliénable, qui passe de souverain en souverain et qui donc n'appartient pas en propre à chaque souverain. Au fil du temps, les souverains vont acquérir des pierres particulièrement prestigieuses. Donc le Côte de Bretagne est parmi les pierres conservées l'une des plus anciennes. Le régent, plus tard. Ce diamant est le joyau le plus important de la monarchie française. Découvert en 1698 en Inde, il est aujourd'hui considéré comme le diamant le plus pur au monde. Il a fallu 2 ans de taille pour obtenir ce sentiment parfait. Présenté à Louis XIV, il ne pourra jamais l'acquérir, la pierre est trop chère. C'est donc Philippe d'Orléans, le régent, qui l'achète en 1714. Le régent sera monté sur les couronnes de sacre de Louis XV et Louis XVI. Louis XIV va également bénéficier des pierres qui avaient été collectionnées par Mazarin. Donc il y a toute la collection des Mazarins, des diamants qui portent le nom de leur collectionneur initial. Le 17 juin 1791, en pleine tourmente révolutionnaire, les joyaux de la couronne font l'objet d'un inventaire. Il décrit des coffres remplis de diamants, de pierres précieuses, de rivières de perles, le tout équivalent à 7 tonnes d'or. Ces joyaux sont conservés en lieu sûr, dans ce que l'on appelle le garde-meuble de la couronne, situé sur l'actuelle place de la Concorde, dans ce qui est devenu l'hôtel de la marine. Durant 4 nuits, du 13 au 17 septembre 1792, ce lieu est le théâtre d'un pillage sans précédent. Il faut imaginer cette place aujourd'hui ensoleillée, pleine de monde, déserte la nuit. Elle est mal famée, les gens n'aiment pas s'y promener le soir. Et voilà que, vers 10 heures du soir, les cambrioleurs arrivent de différentes directions. Ils ont repéré une tringle de fer à laquelle est accrochée une lanterne. Ils lancent une corde, l'attachent à la tringle, montent à la corde, arrivent sur le balcon qui est ici. L'un des cambrioleurs casse un des carreaux et avec un vil brequin creuse un trou dans le volet. Le voilà. C'est le trou dans le volet qui a été bouché avec un morceau de bois, mais on voit très bien que c'est un morceau de bois rajouté. On ouvre les volets et on rentre tranquillement dans cette pièce ici. Puis on commençait tout simplement à crocheter les armoires, les commodes, les tables et à sortir méthodiquement. Puis au fur et à mesure que les trésors apparaissaient, des montagnes de pierreries de toutes les couleurs et de diamants, l'enthousiasme a gagné, surtout qu'ils se sont aperçus que personne ne venait les déranger. Ce n'est qu'après ces 4 nuits qu'une patrouille de gardes nationaux, enfin alertée par des bruits, découvre l'incroyable cambriolage. Ce vol plonge l'ensemble de la classe politique révolutionnaire dans la stupéfaction. Dès 1793, 17 malfrats sont jugés. Un bandit des hauteurs de Ménilmontant ressort comme étant le cerveau de ce casse insensé. Étrangement, au moment du procès, les plus gros joyaux de la couronne de France refont surface. Quand déjà l'affaire est assez avancée, que les petits cambrioleurs sont arrêtés, curieusement, voilà que soudain, on retrouve 3 ou 4 des pièces historiques les plus importantes de ce cambriolage. En particulier le diamant Le Régent, probablement le plus beau diamant du monde. En mars 1794, tous les grands diamants sont de retour. Il était impossible de les vendre, même retaillés. Ils sont reconnaissables par tous. À la Révolution succédera le premier empire de Napoléon. On peut d'ailleurs voir sur ces tableaux les portraits des impératrices Joséphine et Marie-Louise. Le Premier Empire est vraiment une période très singulière dans l'histoire de la joaillerie. Après les fastes de la monarchie, ce nouveau régime doit asseoir son pouvoir en lui donnant une image et surtout un patrimoine. Il peut alors compter sur le joaillier Marie-Étienne Nitaud, fondateur de la maison Chaumet où je me trouve à présent. «
Le goût de Napoléon pour les bijoux est politique. Ils sont avant tout le symbole ultime de la puissance impériale. Et c'est Nitto, en personne, qui va créer les joyaux du sacre de Napoléon, comme vous allez le voir maintenant. Nous sommes le 2 décembre 1804. Dans l'archevêché de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon et Joséphine mettent leurs habits de cérémonie. Il va être sacré empereur, elle va être couronnée impératrice. La couronne du sacre de l'empereur a été sertie par le bijoutier Marie-Étienne Nitto, fondateur du joaillier Chaumet, et qui est depuis 2 ans le joaillier attitré de Napoléon. Ce jour-là, Napoléon arbore son épée consulaire, aujourd'hui conservée précieusement au château de Fontainebleau. Nitto a fait sertir dans la garde de l'épée un symbole d'exception. Que décide-t-on de puiser dans le trésor national le joyau le plus illustre de la couronne qu'est le régent? C'est une idée qui est très importante pour aider en termes de visibilité la création de ce nouvel empire français. Nitto crée les bijoux qui offriront à l'Empire français faste et pouvoir. Cet homme est un visionnaire. Il va analyser le contexte économique et social de son temps. Et il va comprendre que l'élaboration de l'Empire français est un tournant très important dans le domaine de la politique, mais aussi dans le domaine des arts décoratifs. L'empereur comble le joaillier Nitto de fastueuses commandes. Les joyaux reprennent leur fonction royale. Ils servent d'outils de communication. Mais c'est peut-être à l'impératrice Joséphine que la joaillerie parisienne doit le plus en ce début de 19e siècle. Joséphine est l'une des plus grandes consommatrices de bijoux et de mode. Les dépenses excessives de l'impératrice agacent d'ailleurs fortement l'empereur. Joséphine reçoit régulièrement des artisans dans ses appartements du palais des Tuileries et leur passe de somptueuses commandes. Les artisans, quand ils parlent d'elle, nous avons des correspondances dans les archives de Chaumet qui parlent de Joséphine et qui se souviennent de l'époque où il réalisait pour elle les plus beaux bijoux. Et il disait « du temps de la bonne Joséphine ». C'est une femme qui a toujours été empreinte d'une grande bonté. Chaque matin, l'impératrice choisit parmi ses bijoux celui qui ornera ses splendides tenues. En voici un exemple. Cette magnifique parure est un bijou de tous les jours. Elle est faite de perles et d'intailles, un procédé romain qui consiste à graver les pierres à l'intérieur. Le couple impérial est un couple amoureux, mais en 1809, et faute d'héritier, ils divorcent. L'empereur signe l'acte de divorce à la Malmaison. Il regarde Joséphine et il dit « Elle a embelli mes plus belles années ». Il faut à Napoléon un héritier. Le 2 avril 1810, il épouse donc en seconde noce la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise. Marie-Louise a 18 ans, elle a toute la pigmentation, le charme, l'éducation, l'aisance d'une personne royale. Et ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est qu'elle porte sur elle des bijoux extraordinaires réalisés par le fondateur de Chaumet. Toujours par l'intermédiaire du joaillier Nitto, il honore sa nouvelle épouse d'une parure somptueuse. Il s'agit là d'un rare témoignage des joyaux de la couronne n'ayant subi aucune modification qui nous soit parvenue. La période romantique, on s'inspire beaucoup de certains bijoux du trésor de la couronne de France, des joyaux de la couronne du 18e. La monture, faite de grappes de raisin et de feuilles de vigne en or, préfigure le style romantique qui sera à la mode quelques 20 années plus tard. Napoléon est fasciné par l'Empire romain. Il va donc réhabiliter le port du diadème. Désormais,
il impose à toutes les femmes de porter ce type de bijoux à sa cour. C'est un peu le passeport d'une femme dans la haute société. On lui offre pour son mariage un diadème, alors que sa bague de fiançailles doit être quelque chose d'extrêmement discret. Ce diadème du joaillier Nitto date de 1811. Il est typique de l'époque. Il représente des épis de blé. C'est ce que l'on appelle un bijou naturaliste. Ce style représente toutes sortes de végétaux et d'animaux. Ce diadème est très émouvant parce que les épis de blé sont articulés. Et ils sont disposés de telle manière qu'on a l'impression qu'ils sont balayés par le vent. Depuis sa création et à la faveur de ses liens avec le pouvoir, la maison Nitto, devenue Chaumet, s'est fait une spécialité des diadèmes. Je me trouve ici dans le salon des diadèmes de la maison Chaumet. Le diadème épi de blé dont nous venons de parler se trouve juste là. C'est une pièce unique de la collection historique de la maison. Autre pièce exceptionnelle, ce collier Cercou de 1906 en diamant et platine. Il est entièrement articulé, ce qui le rend extrêmement souple. À la belle époque, les femmes le portaient le soir avec des robes très décolletées. Aujourd'hui, la nouvelle collection de la maison Chaumet, Lumière d'eau, reprend cette idée de souplesse et ce thème fort qu'est le style naturaliste. Regardez par exemple cette magnifique parure. Elle se compose d'une montre manchette à secret en platine et cadran en nacre, serti de diamants, de boucles d'oreilles en platine et or blanc et d'un somptueux collier en platine et diamants. Cette parure est directement inspirée d'un diadème naturaliste de 1904 et illustre parfaitement l'évolution de ce style propre à la maison Chaumet. Ainsi, les éléments de la nature n'en finissent pas d'inspirer les créateurs de haute joaillerie. Le 19e siècle est le siècle des grands bouleversements politiques. C'est aussi le temps du développement du goût pour les arts décoratifs. La culture et les arts se répandent dans une grande partie de la société. Paris est le théâtre des grands chantiers, et c'est à la faveur de ce nouvel urbanisme que la rue de la Paix voit le jour en 1806 sous le nom de rue Napoléon. Les joailliers sont encore des artisans qui travaillent dans l'ombre de leurs ateliers proches des lieux de pouvoir. Le Palais Royal et ses petites rues environnantes sont pleines de petits artisans, comme la famille Mellériot. Il y avait toute la vie de famille qui était au 7e et 8e étage et où ils vivaient à l'italienne. Et puis au rez-de-chaussée, alors là, c'était la splendeur où les clients venaient justement pour découvrir leurs bijoux. Il y avait un espèce de contraste absolument incroyable entre cette vie un peu à l'ancienne et puis cette splendeur qu'il y avait dans les boutiques qui étaient au rez-de-chaussée. Et les Mellériot sont les premiers joailliers à ouvrir boutique sur cet axe qui relie l'Opéra au Palais des Tuileries. Le succès de la rue de la Paix ne sera jamais démenti. Les Mellériot se sont en fait propulsés les tout premiers rue de la Paix, à un moment où il n'y avait absolument aucun commerce de joaillerie dans cet endroit. Donc c'était, je dirais, faire preuve d'une certaine capacité d'anticipation. Quelques décennies très mouvementées plus tard, à l'aube du Second Empire de Napoléon III, les Mellériot sont fournisseurs de toutes les cours d'Europe. Ils ont notamment pour fidèle cliente l'impératrice Eugénie. Eugénie aime se rendre à l'Opéra, tout nouvellement construit. À l'occasion de ses sorties, elle fait ses emplettes rue de la Paix avant de rejoindre ses appartements du Palais des Tuileries.
L'impératrice, réputée pour son élégance, est une véritable icône de la mode. Eugénie avait une passion, un culte pour Marie-Antoinette qui se retrouvait partout, y compris dans les bijoux. Donc elle va favoriser ce qu'on va appeler le style néo-Louis XVI. Ça va avec le Second Empire, qui est un Second Empire de gaieté, de fête. C'est le règne de la crinoline. Il vous faut parfois 30 mètres de tissu pour faire une jupe et avec des décolletés très profonds. Donc cette modification du costume féminin entraîne également une modification du bijou. Vous allez voir apparaître ces longues chaînes de perles, ces sautoirs, puisqu'ils vont pouvoir mettre en valeur la gorge des femmes qui étaient largement dénudées à cette époque. Comme Marie-Antoinette, Eugénie connaît le pouvoir des bijoux. Ils servent bien souvent à consacrer le statut des femmes de haut rang. En voici un exemple avec la parure Eugénie, réalisée par Melerio di Meller. Cet ensemble entièrement fait d'améthyste est l'accessoire nécessaire pour une femme du Second Empire. Cette parure, qui porte le nom de l'impératrice, symbolise le lien ténu entre les joailliers et le pouvoir politique. Au cou des puissants, les joyaux sont les symboles de la richesse de la nation. Les pièces qui vont être réalisées par les bijoutiers joailliers auront donc aussi très souvent cette symbolique très très forte. Ils vont très souvent symboliser le pouvoir, que ce soit le pouvoir temporel ou le pouvoir spirituel. Le Second Empire s'effondre en 1870. La défaite de la France contre la Prusse installe durablement la République en France. Ce tournant historique consacre l'avènement de la Troisième République. Mais le jeune régime est encore fragile et a besoin d'argent. Les républicains décident de taper fort et choisissent de se libérer du plus encombrant des symboles de la monarchie, les joyaux de la couronne. Le 2 février 1887 se tient ainsi au Louvre une vente exceptionnelle. L'idée générale du gouvernement de cette époque est de vendre aux enchères ce précieux et incroyable et magnifique trésor français, composé des plus belles pierres et des plus belles perles, en fait, qu'on ait jamais vues. En vendant les symboles de la royauté, eh bien, on faisait en sorte que la royauté ne puisse plus se reconstituer, en quelque sorte. Et puis aussi parce qu'on avait besoin d'argent et qu'il y avait quand même là un joli magot. Et on sait que les États ont toujours besoin d'argent. Un document rare nous permet aujourd'hui de retracer la splendeur des joyaux de la couronne. Car la plupart des pièces vendues ont été photographiées dans ce catalogue. Ces images sont le dernier témoignage de ce trésor de la joaillerie. Plus de 70 000 pierres précieuses sont mises en vente. Elles perdent automatiquement de leur rareté, ce qui entraîne un effondrement de leur valeur. Leur vente a donc très peu rapporté à la République. On dilapide un patrimoine historique, puisque vous avez des pierres qui ont traversé les siècles, et artistique, parce que quand on les vend, on va dessertir les pierres, on va démonter les parures. Donc on perd aussi toute une culture artistique des joailliers. Donc pour tous les amoureux de la joaillerie, oui, c'est un drame et c'était un drame inutile. L'instauration de la Troisième République s'accompagne d'une mutation profonde de la société. C'est le temps de la Belle Époque. Ces années qui courent entre 1870 et la Première Guerre mondiale sont marquées par la paix, le progrès social, technologique et politique. Paris vit dans l'effervescence culturelle. La rue de la Paix et la place Vendôme deviennent le haut lieu de la mode. La belle destinée de ce lieu était pensée de longue date. La place Vendôme rassemble tout ce que Louis XIV avait voulu développé dans son long règne, c'est de réunir en un seul lieu le pouvoir, l'argent et les artisans. Nulle autre ville au monde ne peut prétendre d'avoir une telle concentration. Cette place, c'est l'écrin privilégié pour révéler au monde l'excellence française. Le premier à s'installer sur cette place est Frédéric Boucheron.
Artisan joaillier depuis 1858, il est d'ailleurs l'un des rares joailliers français à avoir pu assister à la vente des joyaux de la couronne, parvenant à y acheter 31 diamants, dont deux célèbres Mazarin et un diamant d'une forme très particulière. Il achète ces diamants ovales et il va consacrer en fait 26 000 francs or de cette époque, c'est le prix de ce diamant, pour l'offrir à sa jeune épouse Gabrielle. En 1890, Frédéric Boucheron loue d'anciennes écuries au 26 Place Vendôme. Un fantôme au passé sulfureux y squatte l'entresol. C'est la comtesse de Castiglione, l'ancienne maîtresse de Napoléon III. Boucheron devra cohabiter pendant plusieurs années avec celle qui fut considérée comme la plus belle femme d'Europe. Elle devait avoir un sex-appeal remarquable pour arriver à séduire autant d'hommes. Parce que son premier mari se suicide après son départ quand même, il faut savoir ça. C'est une femme qui est très intelligente, qui est très cultivée puisqu'elle est d'origine noble. Au moment de sa cohabitation avec Boucheron, la Castiglione est une gloire déchue. Alors vous avez tous dans l'esprit la légende de la fin de vie de cette fameuse courtisane qui a été considérée comme une des plus belles femmes de son époque et va devenir complètement folle. En perdant sa beauté, elle perd aussi son esprit. Donc elle va vivre ici, cloîtrée, dans le noir total. Elle ne sort que la nuit. Donc on a une espèce de fantôme qui va rester ici avec Boucheron pendant 2 ans. En avril 1893, le fantôme quitte enfin les lieux et Boucheron peut ouvrir sa boutique et accueillir ses nouveaux clients. La Castiglione mourra peu de temps après. Elle va vraiment mourir dans la folie la plus totale, dans le dénuement aussi le plus extrême. Mais lorsque on va prendre connaissance de son héritage, on s'apercevra qu'en fait elle a des bijoux qui coûtent une fortune et qu'elle aurait très bien pu vivre de façon très correcte si elle n'avait pas été aussi folle, si elle n'avait pas perdu l'esprit. De son côté, Frédéric Boucheron rencontre immédiatement le succès avec sa boutique de la place Vendôme. Frédéric Boucheron, lui, va offrir à ses clientes des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus harmonieuses, féminines. Les révolutions industrielles imposent la bourgeoisie comme nouvelle classe dirigeante. Cette nouvelle aristocratie est désormais la grande clientèle des joailliers. Beaucoup sont de riches industriels qui, pour briller dans le Paris de la Belle Époque, se doivent d'entretenir, en plus de leur épouse, une maîtresse, de préférence la plus convoitée. Ces femmes sont de jeunes courtisanes qui animent les soirées mondaines. On les appelle alors les cocottes ou encore les grandes horizontales. La belle Otero ou Liane de Pougy divertissent les hommes en échange de quelques trésors. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a une cohabitation tout à fait un peu amusante, on va dire, entre dans la journée les magasins de luxe et les joailliers et le soir, ces jeunes femmes qui sortent au bras de leurs galants. Donc, ce sont des femmes quand même qui ont pour certaines une grande culture. Et donc ces femmes-là, se font rémunérer souvent en bijoux. Esther Lachmann, la marquise de la Païva, est aussi l'une de ses cocottes. Elle est fascinée par le pouvoir des pierres précieuses. De son enfance misérable à Moscou, elle a gardé le sens de la revanche. À Paris, elle se lie aux artistes comme Théophile Gautier ou Franz Liszt. Et surtout, elle va méthodiquement mettre sur la paille un par un ses amants, tous consentants. Pour elle, les pierres précieuses sont de véritables assurances-vie. La païva est particulière parce qu'en plus, elle devient une véritable connaisseur de la pierre. Et sa connaissance arrive à un point un peu surprenant, c'est-à-dire qu'elle arrive à négocier avec Frédéric Boucheron pour changer une pierre qui lui semble de moins bonne qualité ou d'un carat inférieur contre une autre pierre qu'elle a remarquée qui serait vraiment à la hauteur de ce qu'elle attend.
Elle a des diamants jaunes, elle a des rubis. La Paiva est excessive. Elle affiche sa réussite en se faisant construire un hôtel particulier fait de marbre, d'onyx et de dorures sur les Champs-Élysées. À près de 50 ans, elle obtient une ultime récompense. Son amant, un comte prussien, l'épouse et lui donne un titre de noblesse. Elle finira ses jours exilée avec le comte dans leur château en Pologne, non sans avoir emporté avec elle ses pierres précieuses. Les femmes comme la Paiva jouent un rôle important dans le changement de fonction des joyaux. Avec elles, ils quittent leur fonction politique pour devenir de réels objets de désir et de plaisir. Cette clientèle est si importante que chez Boucheron, un lieu très privé a même été pensé pour accueillir ses courtisanes et leurs riches amants. Dans ce cabinet d'inspiration chinoise, un élément du décor attire notre attention. Vous avez ici une entrée secrète qui permettait, lorsque certains clients venaient accompagner d'une personne qui n'était pas toujours leur épouse légitime, de pouvoir s'échapper discrètement si madame l'épouse légitime se présentait au magasin. Donc c'était un côté très, très discret et qui permettait de garder la face, évidemment, pour tout le monde. Le luxe flirte toujours avec les secrets d'alcôve. La discrétion est une vertu cardinale pour ceux qui font commerce de ces objets si précieux. Chez Boucheron, en fait, c'est un culte. Le secret est devenu un culte et la discrétion est vraiment c'est une façon d'être. Notre maison a toujours facturé, par exemple, les bijoux avec des codes secrets, donc avec des lettres. Donc de façon à ce que même à l'intérieur de la maison, le personnel ne sache pas quel était le prix coûtant d'un bijou. Quel qu'en soit le prix, la clientèle des joailliers cherche à être sublimée par les plus belles créations. Voici une merveille de la maison Chaumet. C'est une aigrette que les femmes portaient en bijoux de cheveux lors des dîners. Lui, il me donne envie de pleurer quand je le regarde. Plus je le regarde, plus je rentre dans le savoir-faire du joaillier et du sertisseur, de tous ces êtres prodigieux qui ont travaillé à réaliser un vrai chef-d'œuvre. Quand on le regarde de côté, de par-dessous, à l'endroit, à l'envers, il est émouvant. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. À l'orée du XXe siècle, le monde va changer, s'ouvrir à la modernité. Nouveaux échanges, nouvelles clientèles, nouvelles techniques confèrent aux joyaux de nouvelles fonctions. La maison Cartier, dont le premier atelier fut fondé en 1847 par Louis-François Cartier, va jouer un rôle essentiel dans l'évolution de la haute joaillerie. Je me trouve ici, rue de la Paix, là où les trois petits-fils du fondateur ont décidé de s'installer à la toute fin du XIXe siècle. Salon de vente, atelier, archives, toute l'histoire de la maison se concentre dans ce lieu mythique. Comme vous allez le voir dans un instant, depuis le début de son histoire, Cartier aime travailler le diamant en l'intégrant à des montures souples en platine, ce métal précieux et malléable que la maison est la première à utiliser. Aujourd'hui encore, dans ses créations contemporaines, on retrouve de véritables petits trésors, comme cette parure en diamant et platine qui compte plus de 300 diamants. Ou encore ce collier en diamant jaune et diamant blanc qui a nécessité plus de 600 heures de travail.
Pour comprendre les origines de ce style Cartier, retournons ensemble au début du XXe siècle pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la haute joaillerie. Nous sommes en 1899. Trois joailliers et grands entrepreneurs ouvrent boutique au 13 rue de la Paix. Ce sont les frères Cartier. Ils vont à jamais révolutionner le monde de la haute joaillerie. Il y a une sorte de sentiment d'urgence par rapport à ce qui se passe à l'aube du XXe siècle, c'est-à-dire la notion de progrès. La vitesse, le transport, l'électricité, l'éclairage électrique. Et tout d'un coup, on se dit, mais artistiquement, dans les arts décoratifs, il n'y a pas quelque chose qui se passe qui est à la hauteur des espérances que ce progrès, qui est vu comme une chose extrêmement positive, laisse donc espérer. L'éclairage public change le regard sur les bijoux. Les commerçants des rues de Paris sont désormais accessibles à tous. Les premières vitrines apparaissent et les frères Cartier voient les limites du travail de l'or. Ils imposent un métal plus discret et plus souple, le platine. En voici un exemple avec ce devant de corsage qui date de 1907. Ce type de bijou disparaîtra avec la Première Guerre mondiale quand le corps des femmes se libérera du corset. Donc ça, c'est ce qui va valoir à Cartier son grand succès international et qui va faire que la maison va devenir la plus grande maison de joaillerie au monde en quelques années. Et ça, c'est vraiment lié aux platines. Associé à ce style qui va être caractérisé par l'appellation style guirlande, en raison de cet ornement très Louis XVI, de ces guirlandes de fleurs ou de feuilles qui ornent les bijoux et qui permettent d'ailleurs des jeux de mobilité à l'intérieur du bijou. Mais le style est en perpétuel mouvement. Les frères Cartier sont des précurseurs, comme le montrent ces deux broches datées de 1907. On va laisser place, encore une fois, à la géométrie, au seul pouvoir des volumes et de la ligne. Au moment où ce style va être diffusé à très grande échelle, et non seulement en France, à d'autres publics, mais aussi à l'international, c'est vraiment le début de ce style qui va faire florès dans le monde entier, lui, Louis Cartier, j'entends, se tourne vers d'autres inspirations. Après les horreurs de la Grande Guerre, s'ouvrent les brillantes années folles, propices au voyage. À bord des grands paquebots, les fortunés du monde entier traversent les océans. Il naît alors un échange artistique très fécond entre Orient et Occident. Une nouvelle clientèle débarque rue de la Paix. Ce sont les grandes familles indiennes qui vont trouver chez les joailliers parisiens un savoir-faire inégalé, comme ici chez Chaumet. Ce bijou a été réalisé pour une très grande dame indienne, Lady Tata, originaire de Bombay, et ce sautoir lui a été offert par le Maharaja d'Indore. Ce bayadère est un incroyable sautoir composé de milliers de semences de perles fines. Le bayadère, c'est le summum de la sophistication. Imaginez dans l'huître aller rechercher ce petit, tout petit objet. En plus, il faut le ramasser, le trouver, et il faut ensuite le percer, et ensuite, après, il faut l'enfiler sur un fil de soie avec une aiguille tellement fine qu'elle est courbe. C'est complètement fou, c'est comme réaliser, je sais pas, le Taj Mahal avec des allumettes. C'est quelque chose, je me dis, mais mon Dieu, cette femme qui a choisi un bijou aussi raffiné, elle doit être extraordinaire. C'est ça qui me fait rêver. Un autre exemple de ces échanges franco-indiens se trouve dans la collection Cartier. En 1925, le Maharaja de Patiala, propriétaire de mines de pierres précieuses,
passe une commande extraordinaire. Le Maharaja de Patiala arrive à Paris avec des coffres de pierres précieuses. C'est-à-dire non seulement des coffres de pierres précieuses, mais aussi des coffres de joaillerie de sa famille et de son état. Des pierres venues d'Orient et un savoir-faire occidental donnent naissance au plus grand collier jamais réalisé. Et ce bijou est destiné à un homme. On parle de ce collier parce qu'il comporte un nombre de diamants incroyable, plus de 1000 carats de diamants. Et on compose un collier de cérémonie qui doit être suffisamment important pour être vu de loin sur le Maharaja lors des cérémonies. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur le bijou qui est synonyme du pouvoir du personnage qui va le porter. Cartier aime parer les puissants des plus beaux joyaux du monde. Voici le plus grand saphir jamais taillé dans l'histoire de la joaillerie. 478 carats et un bleu perçant qui inonde l'ensemble de la pierre. Une merveille achetée par la reine Marie de Roumanie en 1921. Que ce soit chez Cartier, Boucheron, Mellerio, Chaumet ou Van Cleef, les pierres précieuses sont l'essence même des joyaux. Éclatantes, rares et envoûtantes, elles font tourner les têtes des chercheurs de pierres, comme Thierry Robert, qui travaille depuis 45 ans pour la maison Boucheron. C'est la pierre qui me saute aux yeux. Et je vais être, aujourd'hui, je suis capable, si vous voulez, d'être aussi ébloui par une pierre de 2 carats que par une pierre de 20 carats. Ce n'est pas la grosseur, c'est pas parce que c'est une pierre plus exceptionnelle qu'une autre. Non, la pierre me parle. Et ça, j'ai besoin, quelque part, moi, de tomber un peu amoureux des matières que j'ai en face de moi. Nous, dans notre métier, ce qui était extraordinaire, c'est que nous ne travaillons qu'avec des matières naturelles. Nous n'avons pas d'usine où on appuie sur un bouton pour dire j'ai besoin de 10 rubis, 10 saphirs, 10 émeraudes. Non, ça n'existe pas. L'usine que nous avons, elle s'appelle la Mère Terre. Donc, c'était extraordinaire, mais on ne sait pas ce qu'elle va nous réserver. Diamants, rubis, saphirs ou encore émeraudes viennent des quatre coins de la planète. Et c'est dans les mains des artisans de la place Vendôme qu'elles révèlent tout leur éclat. Je vais lui donner une vie que cette pierre n'avait pas. Une brillance, une qualité, si vous voulez, de taille qui fait que même un néophyte, en voyant la pierre, va dire « Ah, mais c'est superbe !» De la roche volcanique aux vitrines des joailliers, les pierres ont connu 1000 vies et portent le secret de l'éternité. Une pierre, quand elle est belle, elle a presque besoin de rien. Elle est montée juste sur un anneau et c'est la pierre qui vit, c'est elle qui fait rêver. Et puis, bon, je dirais que le plus bel écrin que l'on a pour nos pierres, ce sont les femmes. Chez Cartier, une femme exceptionnelle a su mettre en valeur ses pierres précieuses. Il s'agit de Jeanne Toussaint, la directrice artistique de la maison à partir des années 30. Je me trouve ici dans son bureau où elle a su donner le ton d'un style nouveau, le style animalier. L'esprit de Jeanne Toussaint est toujours présent dans les créations contemporaines, comme le montre ce collier où la panthère est à l'honneur. Dans les années 30, tous les joailliers développent de nouvelles techniques et créent des bijoux faciles à porter et multifonctions.
Avant d'entrer dans les détails et de revenir sur l'histoire de la joaillerie, j'aimerais vous montrer une pièce exceptionnelle ici chez Cartier, ce collier avec en son centre une agate sculptée remarquable. Il témoigne de la virtuosité des artisans qui d'hier à aujourd'hui créent des merveilles. La dernière née des grandes maisons de joaillerie est la maison Van Cleef & Arpels. Fondée en 1906, elle est née de l'histoire d'amour entre Estelle Arpels, la fille d'un négociant en pierres précieuses, et Alfred Van Cleef, le fils d'un diamantaire. La maison prend ses lettres de noblesse dans les années 30, quand elle se distingue par ses prouesses techniques. On est en pleine période industrielle, donc il y a beaucoup cette idée d'innover, d'expérimenter, d'essayer, qu'on va retrouver dans les ateliers de joaillerie comme on le retrouve dans beaucoup de domaines. Donc il y a cet état d'esprit-là où il faut découvrir, inventer, innover. À la fois cette idée de développer un style avec je trouve ça assez magique quand même. La maison Van Cleef & Arpels va développer des bijoux agréables à porter au quotidien et adaptés aux tenues des femmes modernes. Le plus bel exemple est ce collier zip. C'est un collier qui, pour moi, capture beaucoup d'éléments de l'esprit de la maison. Et aussi de ce qu'a pu être l'esprit de la haute joaillerie au XXe siècle. Il y a un dessin très avant-gardiste qui part d'un élément technique. Si on parle d'une fermeture éclair, qui est vraiment un élément qui est purement fonctionnel au début, qui n'a aucune vocation esthétique, et on essaie de le transcender par le dessin, par la technique, par les pierres précieuses, pour en faire un objet de beauté. Ce collier, inspiré par la mode, est lié à l'une des grandes clientes de la maison Van Cleef, Wallis Simpson, la duchesse de Windsor. Riche américaine, sulfureuse, elle est l'épouse de l'éphémère roi Édouard VIII. C'est pour elle qu'il renonce au trône d'Angleterre. Les ateliers Van Cleef & Arpels mettront plus de 15 ans à mettre au point le zip. On sait qu'elle était une amie d'Elsa Schiaparelli, qui était donc cette célèbre couturière d'origine italienne. Schiaparelli, qui était la première couturière à avoir utilisé un zip sur une robe. On sait qu'elles se connaissaient, toutes les deux, et on pense que c'est justement à la faveur de cette rencontre avec Elsa Schiaparelli qu'elle aurait voulu porter un collier qui aurait été un véritable trompe-l'œil, je dirais, d'une fermeture éclair. La duchesse de Windsor est reconnue pour son goût avant-gardiste et reste une figure emblématique de l'élégance. La duchesse de Windsor est un cas particulier parce que, en fait, c'est un couple qui aimait les bijoux. C'est-à-dire que son mari, le duc de Windsor, lui a
offert des bijoux et s'est lui aussi intéressé à la création de bijoux. Donc c'est véritablement quelque chose qu'ils avaient en commun. Cette femme, très controversée, apporte un véritable élan à la joaillerie des années 30 et 40. Ses envies la font également se tourner vers l'autre grand joaillier, la maison Cartier. C'est une femme qui a toujours eu conscience de son rôle de représentation. Mais de notre côté, il ne faut pas sous-estimer son goût particulier pour la joaillerie, à la fois dans la joaillerie pour ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à-dire des pierres extraordinaires, mais aussi dans ce que la joaillerie pouvait avoir d'expression la plus originale, la plus intime et de plus, j'allais dire, de plus ludique. Le goût de la duchesse pour des bijoux ludiques rencontre celui de la directrice de la création de la maison, la discrète Jeanne Toussaint. C'est elle qui donne un nouveau souffle à la joaillerie parisienne en créant son bestiaire, dont la célèbre panthère que la duchesse de Windsor ne quittait jamais. Ces objets sont précieux, mais aussi permettent d'évoquer parfois avec humour certains événements ou certains aspects de son caractère. Donc en cela, elle est extrêmement pionnière. Avec des femmes comme la duchesse de Windsor, le bijou change de fonction. Il sert désormais à dévoiler une partie de soi. Ces nouveaux bijoux accompagnent un nouveau mode de vie. C'est le temps de la Café Society, l'ancêtre de la Jet Set. De Paris à New York, en passant par Londres et Venise, une nouvelle génération de puissants et d'artistes aime s'amuser, se montrer. Cette Café Society, elle est tenue par des milliardaires américaines. Une fortune qui provient de l'industrie et du commerce, une fortune parfois qui date des années 1830-1880 et dont elles sont les riches héritières. Soit elles sont elles-mêmes très riches, soit elles-mêmes aristocrates, et elles intègrent dans leur propre société le monde artistique. Ce sont aussi des femmes éclairées, éduquées, et qui ne vont pas hésiter à user de leur influence pour faire travailler les créateurs et orienter une certaine mode dans la joaillerie. Voici un collier fait de 27 boules de jade venues de Chine. Ce jade est daté du 18e siècle. Lorsqu'en 1933, la milliardaire Barbara Hutton s'offre cette pièce, le jade est encore presque inconnu en Europe. Elle est arrivée en 1933 à l'Opéra à New York, en portant un collier de 27 perles de jadéite qui appartenait aux collections impériales chinoises. Et ça a donné tout de suite un engouement pour la jadéite. Là, on a affaire au jade le plus beau du monde, c'est-à-dire le plus recherché au monde. C'est la rencontre entre un matériau extrêmement valorisé en Chine et travaillé par un joaillier occidental. Et ça, c'est effectivement, ça rend ce collier extraordinaire. La plus fashionista de cette Café Society est l'américaine Daisy Fellows. Elle est la correspondante à Paris du magazine le plus tendance de l'époque, le Harper's Bazaar. Donc vous avez sans arrêt cette communion d'esprit entre la mode qui est vue, de plus en plus vue, puisque vous avez l'extension de la photographie, vous avez des journaux qui parlent de mode et qui présentent ces femmes qui sont les précursrices de ce qu'on appelle aujourd'hui les « it girls ». Élue plus de 20 fois femme la mieux habillée du monde, Daisy Fellows fait la pluie et le beau temps sur la mode. Elle lance avec Cartier un style, le Tutti Frutti. Un collier fait de rubis, d'émeraudes et de saphirs. Toutes les pierres sont gravées de motifs de feuilles, de fleurs à la manière des bijoux indiens. Le 12 mai 1937, à l'abbaye de Westminster, l'Angleterre assiste au couronnement du roi George VI.
Pour l'occasion, la monarchie britannique commande à Cartier 27 diadèmes. Cartier devient alors une maison mythique que l'on surnomme le joaillier des rois, roi des joailliers. Mais nous sommes en pleine crise économique des années 30. Même la plus fortunée des cours européennes est ainsi contrainte de faire des économies. L'ensemble des diadèmes sera donc réalisé pour cette occasion avec des pierres semi-précieuses, comme celui-ci, en citrine, ou encore celui-là, fait d'aigmarine. Les joyaux sont les accompagnateurs fidèles de la grande histoire. Ils vont encore le prouver lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1940. Après la défaite, les Allemands occupent Paris. Les commandes diminuent et la créativité de certaines maisons de haute joaillerie va se transformer en acte de résistance. À partir de 1939, Van Cleef Arpels va réaliser des bijoux assez étonnants. Nous avons réalisé des fourragères qui représentent vraiment la France, l'histoire de la France. Au départ, la fourragère est un insigne militaire que les officiers portent à leur épaulette. Il faut imaginer que des clientes portaient des fourragères. C'était vraiment un symbole patriotique de porter une fourragère. Les drapeaux des alliés étant aux couleurs bleu, blanc, rouge, ce seront les trois couleurs choisies pendant l'occupation par les maisons Van Cleef et Cartier. Deux des plus grandes maisons du XXe siècle mettent leurs ateliers au service de leur patriotisme. Voici les rares dessins des bijoux créés en réponse à l'oppression nazie. Jeanne Toussaint, à un moment donné, décide de produire un bijou qui représente un oiseau en cage, mais d'en disposer un dans chacune des vitrines de la boutique ici même, rue de la Paix. Montrer un oiseau en cage, c'est une iconographie dont le sens est partagé par tous et qui est l'idée que la France, effectivement, est prisonnière. Depuis l'été 1940, les Allemands ont pris leur quartier au 15 Place Vendôme, dans l'un des palaces les plus célèbres de Paris, le Ritz. Les vitrines de quartier sont à deux pas, ce qui vaudra à Jeanne Toussaint d'être convoquée par un officier SS suite à la création de cet oiseau en cage. Jeanne Toussaint sera relâchée, mais les quelques pièces fabriquées seront confisquées. Après 4 ans d'occupation, Paris est enfin libérée. À partir de 1944, elle dessine l'oiseau libéré. Comme une sorte de vengeance et de réponse à ce qu'elle avait subi au premier chef 4 ans plus tôt. Là, dans les vitrines, on voit apparaître la même cage, la même taille, mais avec les portes ouvertes et l'oiseau, ailes déployées et dont on voit vraiment qu'il chante. La libération inspirera de nombreux bijoux dits patriotiques. À partir de 1944, on a vraiment réalisé ce qu'on appelle les bijoux de la libération, les bijoux dits de la libération, donc des flambeaux, des torches bleu, blanc, rouge. On a des clips infirmières représentant une infirmière et un soldat. On a des clips, évidemment, la Croix de Lorraine. Voilà, tous ces bijoux, ces clips qui se sont vraiment multipliés entre 1944 et 1945 montrent aussi que chez Van Cleef Arpels, on a aussi participé à notre niveau, si je puis dire, à la libération. En 1945, cette pièce de joaillerie, une pendule en onyx assertie de jade, qui avait été offerte dès décembre 1943 par Louis Cartier au président Roosevelt, peut enfin sonner. Elle célèbre l'heure de la victoire. Après la guerre, la France se relève lentement. Les grands couturiers et les joailliers parisiens s'unissent pour redonner vie à la création française. À la fin de la guerre en 1945, la haute couture est complètement réduite en cendres. Il n'y a plus un seul morceau de tissu disponible. La Fédération de la haute couture française qui dit, il faut qu'on montre à la France entière et au monde entier que Paris est toujours la capitale de la haute couture. Et ils vont décider d'organiser un défilé de mode. Il leur vient alors une idée farfelue.
pour montrer leurs œuvres malgré le manque de tissu, ils vont faire fabriquer des poupées en fil métallique. Elles seront habillées comme de vrais mannequins. Et pour parfaire ces poupées, on va rajouter des chaussures, on va rajouter des voilettes, on va rajouter des chapeaux, on va rajouter des sacs à main et bien sûr, on va rajouter des bijoux. Ces bijoux de haute joaillerie sont à l'échelle des poupées. Donc tous les joailliers de la place Vendôme vont s'associer pour accessoiriser un modèle de haute couture. Et c'est comme ça que le petit théâtre de la mode a vu le jour en 1945. Ce petit théâtre de la mode signe la relance du luxe et des arts. Dans les années 50, la France se remet de la guerre. Les bijoux sont aussi un symbole de cette nouvelle ère. Le plus souvent en or, les joyaux de l'époque deviennent définitivement ludiques et personnels. Il y a toujours, je pense, dans le rôle du bijou, à la fois une dimension extrêmement intime, parfois très secrète, des histoires qui sont vraiment personnelles, qu'on partage avec quelques proches, et puis une dimension aussi sociale, puisque le bijou sert aussi à exprimer, dans certains cas, un statut social, un niveau social, une réussite. Chez Cartier, on consacre Jean Cocteau, avec une épée aussi rare que sublime, aussi belle qu'excentrique. L'académicien que tout Paris était venu applaudir dans son dernier numéro d'illusionniste aura réussi à rester non-conformiste jusqu'au seuil de l'immortalité. En 1955, l'auteur d'Orphée et des Enfants terribles entre à l'Académie française. Bien entendu, son épée est à la hauteur de sa distinction. Il s'est adressé à Picasso. Il pensait que Picasso pouvait lui réaliser son épée. Et Picasso, qui avait une relation très particulière avec Jean Cocteau, c'est-à-dire faite d'estime, mais aussi d'agacement, lui a dessiné toutes sortes d'épées, mais d'humour, je dirais, méchant. C'est-à-dire qu'il lui a, il a dessiné des épées balées. Il y en a une qui s'intitulait « Sic, épée balée à chiottes ». Jean Cocteau a bien sûr pris ombrage, etc. Donc il a décidé lui-même de concevoir son épée. Et donc la figure centrale, c'est le profil d'Orphée, avec la lyre du poète. Sur cette épée est sertie une émeraude splendide, cadeau de la grande couturière Gabrielle Chanel à son ami Jean Cocteau. En effet, la tradition veut que le futur académicien reçoive un cadeau à monter sur l'épée. Comme un drapé qui s'enroule sur le fourreau, ce sont les rideaux du théâtre du Palais Royal qui sont ici représentés en platine. Enfin, à la pointe de cet incroyable trésor de joaillerie, une main contenant une boule de neige qui est une référence à son œuvre majeure, Les Enfants terribles. Jean Cocteau est un homme de goût et de culture. Il est aussi un mondain qui mène sa vie d'artiste au gré de ses rencontres. En 1949, il élit domicile chez l'élégante Francine Weisweiler. Il est resté 10 ans chez elle. Elle l'avait invité pour un été. Il est resté 10 ans. Et il a décoré toute sa maison de peintures, ce qui est absolument remarquable. Cette femme est une mécène et une mondaine qui tient des salons littéraires en vogue. En 1954, Cocteau dessine pour elle un collier en or imitant un foulard. Pour réaliser ce bijou à la fois simple et sophistiqué, il se tourne vers la maison Boucheron. Cette création a évolué et ce foulard est devenu un bijou icône de la maison. Et aujourd'hui, les comédiennes comme Salma Hayek ou Diane Kruger se parent volontiers de ce très subtil collier tissé d'or. En fait, l'idée du tissage d'or, c'est quelque chose en fait, qui revient dans l'ADN de notre maison depuis Frédéric Boucheron, puisque ses parents étaient marchands drapiers. Donc on a un peu cette idée de texture un peu particulière.
Comme le montre la création de ce foulard en or, la joaillerie est ouverte à toutes les inspirations. Elle ne cesse d'évoluer au gré des désirs de ses clients et de ses clientes. Au milieu des années 50, c'est au tour des actrices hollywoodiennes de donner le ton. Avec l'émergence de la jet set et surtout avec l'émergence du cinéma, on voit apparaître de nouvelles femmes qui peuvent véhiculer cette image de beauté, de puissance, de glamour. Ce sont les actrices. Elizabeth Taylor est emblématique de l'époque. La femme aux sept maris s'est vue offrir parmi les plus belles créations des joailliers. Ce collier, composé de diamants d'une infinie clarté et de rubis à la taille exceptionnelle, lui a été offert par son troisième mari. Une petite ambiance de cocotte du Second Empire où elle se faisait offrir des bijoux parce que, somme toute, ça leur faisait une petite cassette que la vie d'une actrice est assez fragile et que ça n'était pas plus mal d'avoir un petit pactole en bijoux. Et c'était aussi une preuve pour elle qu'elle comptait. Elles vont pas acheter des bijoux uniquement pour se faire plaisir, mais elles vont aussi acheter des bijoux symboles, comme Elizabeth Taylor qui achètera des bijoux historiques ou qui se fera offrir par Richard Burton des bijoux historiques, mais qui va aussi travailler les bijoux et influencer la mode. Elizabeth Taylor était à la tête d'un trésor digne d'une reine. En décembre 2011, quelques mois après sa mort, ses héritiers ont mis aux enchères sa collection de bijoux. Cette vente prodigieuse a rapporté pas moins de 90 millions d'euros. Lors de ces enchères, on a vu réapparaître notamment une pièce absolument exceptionnelle, la Peregrina. Cette perle naturelle, montée sur une parure Cartier en 1969, est un cadeau de Richard Burton à Elizabeth Taylor. C'est un joyau historique, découvert dans le golfe de Panama au XVIe siècle. Lors de la vente, un collectionneur privé l'a acheté pour plus de 9 millions d'euros. Une autre star hollywoodienne croise avec élégance l'histoire de la joaillerie. Nous sommes le 9 mai 1956. En principauté de Monaco, Grace Kelly épouse le prince souverain Rainier III. Grace Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Rainier Louis Henri Maxence Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Cartier, fournisseur officiel de la principauté depuis 1920, participe à sceller l'amour de Grace et de Rainier, la bague de Monaco. Le joaillier sait sublimer toutes les beautés, de la blondeur discrète de Grace Kelly à la sulfureuse brune Maria Félix. Pour l'actrice mexicaine, considérée comme la plus belle femme des années 50 au cinéma, le joaillier va concevoir des objets des plus étonnants. En 1968, elle nous a commandé un très grand collier en forme de serpent. Et c'est un énorme serpent, taille réelle quasiment, qui a demandé un travail fou d'ailleurs, parce qu'il est totalement articulé, il fait appel à énormément de diamants baguets. C'est un travail de conception fabuleux. Et en 1975, effectivement, elle nous commande un objet qui doit être un collier, mais qui doit être aussi un objet de décoration pour sa table lorsqu'elle organise des dîners. C'est-à-dire que ça dit le volume que l'objet doit pouvoir avoir. Et c'est là qu'on lui conçoit, non pas un crocodile, ça c'est notre idée, mais deux crocodiles, de façon à fermer le collier. J'ai eu la chance de rencontrer Maria Félix, donc il y a maintenant une quinzaine d'années, et c'est elle qui m'a dit je suis venue au magasin en 74-75 avec un petit crocodile, bébé crocodile vivant dans un aquarium pour donner l'inspiration à la réalisation du crocodile. Et elle a dit à l'époque à son vendeur, qui était son contact naturel, et puis il faut aller vite parce qu'il va grandir.
Les crocodiles de Maria Félix sont des trésors d'artisanat. Pour satisfaire les demandes les plus fantaisistes ou pour mettre en valeur les pierres les plus rares, tous les artisans de la haute joaillerie travaillent avec une même passion. Nous sommes là dans l'atelier très confidentiel d'un certisseur. Il est magnifique. Qualité excellente. Une pierre de 11 carats, avec une couleur extraordinaire. Pratiquement aucune inclusion qu'on pourrait voir, même au microscope. Les pierres précieuses sont l'essence même des joyaux. C'est pour elles que les joailliers dessinent et fabriquent le reste de la pièce. Les grosses pierres sont plus intéressantes parce qu'elles sont exceptionnelles. Une pierre comme celle-ci, la pièce aura été faite pour cette pierre. On n'aura pas trouvé une pierre après avoir fait la pièce. Donc tout tourne autour de la pierre. Là, je suis en train de sertir le diamant taille émeraude dans le chaton, donc il faut que je regarde si l'ajustage est bon. Chaque pierre a son identité. Le rubis, le saphir, l'émeraude ou le diamant n'ont pas la même résistance. L'artisan doit ajuster son geste selon la pierre. On ne peut pas craindre d'abîmer la pierre, sinon on ne ferait pas grand-chose. On prend beaucoup, beaucoup de précautions, énormément de précautions. Là, c'est un diamant, ça pourrait être une émeraude. Je ne la sertirais même pas devant vous, l'émeraude. Ça, je ne pourrais pas. On a besoin vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. Après les mains du certisseur, ce sont celles des polisseurs qui vont donner tout l'éclat aux joyaux. Ce qui compte, c'est que la pièce soit la plus parfaite possible. Et je pense que c'est un motif de plaisir et de satisfaction d'avoir un objet dont on sait qu'il a été réalisé aussi parfaitement qu'il est possible dans les ateliers. La réputation des ateliers des joailliers français dépasse bien largement notre pays. Le 26 octobre 1967, le Shah d'Iran consacre son épouse Farah Pahlavi au palais impérial de Téhéran. La future impératrice porte une couronne éblouissante. Van Cleef Arpels était sur les rangs pour réaliser cette commande spéciale absolument extraordinaire. C'était vraiment une commande spéciale digne des mille et une nuits. Considérés comme des trésors nationaux, les pierres serties sur cette couronne ne pouvaient pas quitter le palais impérial de Téhéran. Donc il a fallu que toute l'équipe de Van Cleef & Arpels moule les pierres sur place à Téhéran et reparte avec ces moules à Paris pour être à même de réaliser la monture. À peu près 70 voyages entre 1966 et 1967 pour réaliser cette pierre absolument exceptionnelle. Cette couronne est sertie de 1550 pierres. Des perles grises, des perles blanches, des diamants, des rubis, des émeraudes gravées, dont une qui pèse plus de 150 carats. C'est l'empereur, le Shah d'Iran lui-même, qui a posé la tiare sur la tête de son épouse, Farah Pahlavi. Elle ne pèse, entre guillemets, que 2 kilos. Et elle-même a trouvé cette tiare assez légère. Donc elle s'attendait à quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus volumineux. Aujourd'hui, Farah Pahlavi n'est plus impératrice d'Iran et sa couronne est conservée à la Banque nationale d'Iran. Elle fait partie du trésor national du pays. Nous sommes le 29 avril 2011 à Londres. Lors de leur mariage, Kate Middleton et le prince William offrent à la Grande-Bretagne l'image d'un couple radieux et amoureux. La princesse porte pour cette occasion exceptionnelle un diadème historique de la couronne d'Angleterre. Réalisé par la maison Cartier en 1936 pour la reine-mère, c'est Elisabeth II qui en a hérité. La reine en fait aujourd'hui profiter Kate Middleton, la future reine d'Angleterre.
Le destin de la princesse fait rêver toutes les jeunes filles. Ce jour-là, pour lui ressembler, elle porte tout un diadème. Ainsi, lors de grandes célébrations comme ce mariage royal, les joyaux continuent de nous éblouir de leur pouvoir. Et quelles que soient les évolutions de la société, les joailliers restent animés d'une même passion pour créer les trésors de demain. Paris reste et restera le lieu de l'exception pour la haute joaillerie. Le monde entier vient ici chercher cette beauté. Sublimes et étincelants, trésors de notre patrimoine, les joyaux nous racontent leur époque. Leurs couleurs, leurs formes et leurs mouvements sont les plus beaux témoignages du savoir-faire des artisans joailliers parisiens. Grâce à ces bijoux, nous portons un autre regard sur la grande histoire. Ils servent les causes politiques, ils magnifient les artistes et feront toujours rêver les amoureux de la beauté. Ces objets exceptionnels sont à la fois les emblèmes du pouvoir et des fragments de vie. La création et l'envie sont toujours au rendez-vous et demain, les joyaux continueront de nous confier bien des secrets. Entre luxe et artisanat d'exception, la joaillerie française, comme vous avez pu le voir, est unique au monde. Grâce aux principales maisons de haute joaillerie que nous tenons à remercier infiniment, c'est une histoire de France originale que nous avons pu raconter. Les mains les plus virtuoses qui façonnent les joyaux d'aujourd'hui contribuent à nous raconter l'histoire de demain. Je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux trésors.